rendre l'église Aris de Côte d'Ivoire plus dynamique, et cela afin qu'elle contribue à la cohésion en son sein et au développement de la Côte d'Ivoire. C'est la mission assignée au nouveau Conseil national des apôtres Aris de Côte d'Ivoire. Ce conseil et son secrétaire exécutif ont été investis à l'occasion de cette cérémonie de rentrée spirituelle de l'église Aris. Ils ont reçu la bénédiction du patriarche de l'église, le prophète Adiako Faustin. Et le Conseil national des apôtres, dont le secrétaire exécutif est investi aujourd'hui, est un réel motif d'encouragement et d'espoir pour l'église, parce que ça va nous servir d'interface au niveau